Micro balade. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous vous sentez d'attaque, c'est bon? Petit déjeuner. Allez, bismillah, on démarre. Alors, Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des notaires du Maroc, mesdames, messieurs les membres du Conseil régional des notaires de Rabat, mes chers consoeurs, mes chers confrères, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va démarrer une formation d'un nouveau genre, un nouveau modèle, un nouveau style. C'est une séance de formation qui, comme vous le constatez, sera très brève. C'est une formation que nous avons imaginée la matinée pour que vous soyez d'attaque, pour qu'on arrive à conjuguer le bien-être, la gastronomie, et également la science, le savoir et la connaissance. Depuis toujours, je ne vous cache pas que je rêvais de faire cette formation de ce genre-là, une formation qui nous interpelle pour, disons, stimuler un peu plus le partage de la connaissance. Aujourd'hui, nous allons, alhamdoulilah, réussir à le faire. Quand j'ai proposé à l'Oustad Azouzi, qui est le président du département de formation, il n'a pas hésité à me suivre dans cette idée. Et je ne vous cache pas que je suis très très heureux et ravi de vous voir nombreux ce matin assister à cette formation. Vous êtes vraiment très nombreux et je sais que il est très difficile de ramener des hommes et des femmes qui s'activent dans le domaine de la profession libérale le matin très tôt. Et donc, il est 9h30, oui. Alors, je sais que nous avons un timing à respecter parce que notre invité qui est à ma droite, Oustad Younes Anibar, a des contraintes. Il a un vol à prendre cet après-midi et donc nous allons devoir nous arrêter à 11h. Je voudrais juste vous remercier d'avoir accepté d'être venu si tôt, comme j'ai dit. Je voudrais remercier tous les hommes et toutes les femmes qui sont là. Je sais que vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez beaucoup de préoccupations, mais vous êtes venus quand même très nombreux et il y a un engouement pour ce genre de formation que nous allons démarrer. Je voudrais remercier spécialement toutes les femmes qui sont là et leur dire combien je suis heureux et leur souhaiter une bonne fête de la femme. Je voudrais vous souhaiter également, je souhaitais à tous les hommes qui ne sont pas très nombreux, je ne sais pas pourquoi, mais je voudrais quand même, pour que ne pas les fâcher, leur souhaiter également la bienvenue et leur demander d'applaudir toutes les femmes ici qui sont avec nous à l'occasion de la fête de la femme. Alors, donc, sans plus tarder,
Je vais juste vous dire que nous sommes très heureux, nous, aujourd'hui, les notaires, de recevoir M. Younes Anibar, Maître Younes Anibar, que vous connaissez certainement bien, parce que vous avez certainement entendu sa voix très douce et tendre sur les ondes de la radio. Et je vous assure que je suis parmi les admirateurs de M. Younes Anibar, parce que c'est une personne qui a un style de communication attrayant. Et en sus de cela, il a une parfaite maîtrise du domaine dans lequel aujourd'hui il excelle, à savoir le domaine que nous partageons tous, le domaine juridique, le domaine de l'immobilier. Et je suis vraiment, vraiment heureux de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. Je vous demande de l'applaudir. Voilà. Avec cette brève introduction, je donnerai la parole à l'Oussed Lezouzi qui va vous expliquer comment ça va se dérouler pendant cette 1h30 notre séance de formation. Et je vous souhaite une bonne matinée. Merci, Monsieur le Président. On a encore la tariqa d'yali, ou sur le Maroc, l'ayala d'yali le Maghrib. Alors, Monsieur le Président du Conseil national, Monsieur le Président du Conseil régional de Rabat, Monsieur le Président du Conseil régional de Kinitra qui vient de nous rejoindre, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil régional du notaire de Rabat et de Kinitra, mes chers consoeurs et confrères. Alors, c'est avec grand plaisir que nous inaugurons aujourd'hui un nouveau cycle de formation, un cycle que nous avons baptisé les petits déjeuners du notariat. Il y aura d'autres petits déjeuners aussi gourmands que ça. Donc le concept, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de M. le Président, qui a eu le brevet d'invention de nous proposer le concept, qui est des formations rapides pendant 2 heures du travail et qui prennent en considération deux soucis majeurs. Le premier, c'est la formation d'abord. Le second, c'est la disponibilité des notaires. Ils ne sont pas tous disponibles pendant la matinée, donc on va prendre les 2 heures pour pouvoir sortir avec des objectifs. Le concept consiste à mettre 2 ou 3 axes réduits sur le thème de la formation, sortir avec maximum 6 réponses sur quelques questions, parce que c'est une formation très rapide. Peut-être qu'on pourra reprendre des formations, des journées continues sur la copropriété et sur d'autres thèmes. Donc le déroulement, on va donner d'abord la parole à Maître Younes Anibar, qui va axer son intervention sur 3 axes, le syndicat de copropriété et Kalouced. Le syndicat de copropriété, le droit de préférence, la responsabilité du notaire en matière de rédaction du contrat. Donc, 3 axes. Maître Anibar va prendre la parole. Bien sûr, la formation, elle est interactive. Il y aura un échange au même moment que l'intervenant fait son intervention. Mais pour des soucis d'organisation, je vous prie de bien vouloir, au moment où l'intervenant fasse son intervention, nous donner le nom pour pouvoir vous donner l'occasion de poser la question de manière à ce que nous sortons tous avec des réponses claires et à la majorité des questions. On ne peut pas répondre à toutes les questions vu la contrainte de temps. Donc sans trop tarder, je passerai la parole à Maître Younes Anibar. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil national, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. D'abord, j'aimerais exprimer à mon tour l'honneur que me suscite votre invitation
et d'être parmi vous. Pourquoi ? Parce que nous sommes en famille, c'est une famille de juristes. Je me retrouve finalement dans mon domaine. Et l'intérêt aussi du sujet qui a été choisi, qui me tient à cœur, je vous le dis, raison pour laquelle j'exprime mes vifs remerciements aux organisateurs, au Conseil national, au Conseil régional, ainsi qu'à toutes les personnes présentes dans cette salle. Bien entendu, le sujet choisi concernant la copropriété, bien entendu, revêt une importance capitale au niveau culturel, parce que la copropriété, le vivre ensemble, est d'abord une notion culturelle avant toute chose, et puis l'aspect technique de la chose, c'est-à-dire la loi qui régit les rapports entre copropriétaires. Bien entendu, comme l'a si bien dit Maître Azouzi, l'intervention sera axée sur le volet purement juridique de la chose et surtout le notaire qui est un acteur incontournable dans cette sphère et dans ce domaine particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a le risque que la responsabilité puisse être engagée au cas où il y aurait un oubli, une omission, une quelconque infraction dans le domaine. D'abord, la copropriété telle que régie par les textes de loi aujourd'hui, notamment la loi 1800, comporte un certain nombre d'éléments. Je ne suis pas d'accord avec un certain nombre d'intervenants au niveau du gouvernement disant que la loi est imparfaite, la loi n'est pas complète. La loi, quand même, a réussi à combler un certain nombre de lacunes par rapport au régime qui prévalait avant, notamment le DAHIB de 1946. Bien entendu, on aspire à ce qu'il y ait des améliorations, on s'y attelle, et un projet de loi qui est actuellement au secrétariat général du gouvernement pour apporter des modifications, les améliorations nécessaires. La copropriété, d'abord, c'est un engagement moral avant toute chose. Et c'est ce qu'il faut prendre en considération, notamment par les praticiens, c'est-à-dire avocats, juges et surtout notaires, parce que le point de départ de la copropriété, ça se fait au niveau de l'étude du notaire, parce qu'on est copropriétaire dans le cas classique dès lors qu'on signe un contrat par devant notaire. Raison pour laquelle il y a un certain nombre de précautions à prendre et des informations à transmettre. Tout doit se faire conformément à la loi 1800, mais surtout à la loi 3209 qui régit la profession du notariat. Les questions qui sont très souvent soulevées concernent d'abord le syndicat des copropriétaires, la manière de constituer un syndic, l'engagement pris par le notaire dans un certain nombre lors de sa mission, c'est-à-dire est-ce qu'il remplit les conditions requises par la loi 3209, notamment en ce qui concerne le conseil, donc ce devoir de conseil et d'information, où se limite le conseil, où s'arrête le conseil, où s'arrête l'information, à quel niveau pourrait-on engager la responsabilité du notaire, tant de questions que je tenterai d'aborder aujourd'hui et de répondre à vos interrogations en cas de besoin. Donc, première des choses, c'est la constitution du syndic et les engagements pris. Bien entendu, il y a tout un mécanisme qui se met en place. Donc, dès lors que le contrat est signé, donc la personne est de plein droit, notamment, c'est ce qui est prévu par la loi 1800, elle est de plein droit membre du syndicat des copropriétaires. À la date de la signature, il y a cet engagement juridique vis-à-vis de la copropriété, c'est systématique et automatique. Et bien entendu, il y a tout un mécanisme qui se met en place, la nomination du syndic, les cotisations, le recouvrement, le rôle du syndic, et lors de la vente éventuellement, là où effectivement le notaire intervient aussi, à l'effet d'appliquer ou non les dispositions de l'article 26 de la loi 1800, notamment ce qui concerne la délivrance du quitus par le syndic. Est-ce que le notaire sera responsable dans ce cas ou pas? Nous aborderons le sujet lors de ce débat. Autre élément très important, et c'est un apport considérable de la loi 1800, il concerne l'instauration du droit de préférence qui sort de ce qui a prévalu avant sous l'égide du DAHIR 1946 en termes de, d'abord, l'obligation
avant, c'est-à-dire l'article 27 du fameux Dahir de 1946, le droit de préemption était de facto applicable, ce qui n'est plus le cas en vertu de la loi 1800, c'est-à-dire que les copropriétaires peuvent, le mot « peuvent » est très important, peuvent instituer entre eux un droit de préférence à la majorité des trois quarts qui doit être inséré dans le règlement de copropriété. Est-ce qu'il est inscriptible à la conservation foncière ou pas? C'est tout le débat que nous aurons l'occasion d'aborder aujourd'hui. Comme prévu avec Maître Azouzi, je pense qu'on va à travers une activité ou bien il y a des axes principaux qu'il va falloir aborder. Je suis à votre disposition. Alors, la première question sur laquelle porte notre débat, et là sont des questions pratiques, vous pouvez même poser vos questions sur le syndicat de copropriété. La première question, c'est qu'on est parfois on est face dans la région de Témara, Kénitra ou même Rabat, le cas où il n'y a pas de syndic. Les copropriétaires n'ont pas élu un syndic de copropriété. Alors, le notaire ne peut pas se déplacer. Est-ce qu'il peut envoyer une notification à tous les copropriétaires avec tous les risques éventuels? Est-ce qu'il doit se contenter uniquement d'une déclaration des parties dans le corps de l'acte? Que faut-il faire justement pour pouvoir épargner sa responsabilité? Question très très importante parce que effectivement la pratique révèle que plusieurs cas ont été traités par les différentes juridictions du royaume concernant l'existence ou non du syndic. Ce qui est prévu par la loi, et c'est très important de le souligner, c'est le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires est automatiquement créé dès lors qu'il y a copropriété, ça veut dire qu'il y a plus de deux personnes au sein d'un immeuble de façon générale. Maintenant, est-ce que le notaire est responsable? Est-ce qu'il doit faire le nécessaire, c'est-à-dire se déplacer, ou bien le devoir d'information vis-à-vis de l'ensemble des copropriétaires? La réponse est non, je le dis, je le répète. Pourquoi? Parce que le syndic n'est que l'organe exécutant des décisions prises par le syndicat des copropriétaires. Donc ce qui prime, c'est, bien entendu, le syndicat des copropriétaires en tant qu'entité morale. Si le dit syndicat des copropriétaires réussit à prouver, à justifier sa qualité d'agir, et c'est ça, on est dans le domaine juridique, le notaire est un rédacteur de contrats de façon générale où l'écrit est requis dans la majeure partie des étapes que doit observer le notaire. D'abord, il y a un problème de qualité. Et très souvent, les juridictions se sont montrées, j'irais, très pointilleuses en ce qui concerne la justification de l'existence du syndicat des copropriétaires. Oui, en vertu des dispositions de la loi, il existe, je dirais, la personnalité morale, le syndicat des copropriétaires, mais le syndic habilité à les représenter auprès des juridictions, auprès des administrations, voire même auprès des notaires, requiert la nécessité de présenter un certain nombre de documents. Je vous donne un exemple simple. La loi 1800 a institué une procédure accélérée à l'effet de recouvrer les créances et les cotisations de façon générale. En dépit, je dirais, de la fiabilité et de l'efficacité de cette procédure, elle demeure tributaire d'un élément très important, c'est-à-dire le juge vous accorde le bénéfice de cette procédure, mais à condition de justifier, de prouver et d'étayer les arguments par le PV d'assemblée qui est une nécessité, le PV qui doit contenir le mandat accordé au syndic afin d'ester en justice, donc pour représenter la copropriété, et troisièmement le vote du budget. Donc c'est vous dire un peu comment les juges assimilent les dispositions de la loi. Quand bien même le syndicat des copropriétaires existerait, il est nécessaire de justifier, de prouver par des écrits, par le PV d'assemblée, l'existence juridique afin de pouvoir entamer des formalités d'une quelconque nature. Vous avez une question sur le... Parce que là, on est en train d'approfondir un peu sur ce point, ce premier point. Et nous avons eu un débat avec Monsieur le Président. Le notaire, est-ce qu'il va rester les mains croisées? Est-ce qu'il va se contenter uniquement de la déclaration au corps de l'acte? Oui, bien sûr. Donc, quelle est l'attitude du notaire avant de vous donner la parole? Peut-être une question. Très bien.
Bonjour, c'est Maître Lafia de Rabat. C'est un plaisir de vous recevoir, Maître Aniba, en fait, de mettre un visage sur une voix. Donc, ça fait toujours du bien. Alors, ma question, vous avez parlé du PV de l'Assemblée, en fait, du syndic. Dans le cas où ce PV n'existe pas, c'est-à-dire il y a un syndic de fait, et on reçoit un coup de téléphone, comment devront-on réagir? C'est-à-dire, le syndic vous appelle, que vous dites telle personne est redevable de telle somme, sans qu'il y ait de PV, sans qu'il y ait de syndicat qui est constitué. D'accord. Alors, justement, le syndic, d'abord, déjà, le coup de fil n'est pas un moyen de communication, donc il faut qu'il y ait des écrits. Qui dit que c'est bel et bien le syndic qui a pris l'initiative de vous appeler. Donc, première chose, c'est il faut exiger qu'il y ait des écrits. Une personne qui se considère syndic ou bien une personne qui prétend être le syndic d'une copropriété, ben, si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Au moins, quelle est, au moins le courage, passez-moi l'expression, de justifier sa qualité. Le faire par téléphone, déjà, la relation est biaisée dès le départ. Donc il faut prouver la chose d'un point de vue par écrit, première étape. Deuxièmement, il faut vérifier la teneur de cet écrit, effectivement. Si oui, c'est le syndic, parce qu'il se peut que ce soit des syndics bénévoles, des syndics de fait, il y a un certain nombre de copropriétés où il n'y a pas de PV d'assemblée, on choisit X personnes à l'effet de gérer la copropriété, et là ça pose problème. Donc pour le notaire, tant qu'il n'y a pas d'écrit, tant qu'il n'y a pas de PV d'assemblée, il faut s'en tenir aux déclarations des parties. Pourquoi? Parce que l'esprit du législateur, dans un certain nombre de dispositions, pas uniquement la loi 18-12-0, la copropriété, l'esprit ou bien l'intérêt du législateur, c'est de fluidifier les opérations et non pas instaurer une complexité de formalité. Si le syndic prétend être syndic, il faut le justifier par un PV d'assemblée. S'il n'y a pas de PV d'assemblée, il n'y a rien du tout. Non seulement ça, mais la loi 75-12-0 impose la nécessité d'aller inscrire et enregistrer le PV d'assemblée auprès des autorités administratives pour qu'on sache qui est l'interlocuteur en face. En l'absence d'un tel document, il y a un problème de forme avant que ce soit un problème de fond, c'est-à-dire la personne est dans l'incapacité de prouver sa qualité d'agir. 1. 2, le PV permet de voir si bel et bien c'est le syndic et surtout s'il est toujours en mandat. Et très souvent, on nomme un syndic pour une période indéterminée, sans qu'il y ait d'assemblée entre-temps. Il se peut que l'assemblée se tienne, mais celle qui suit ne se fait qu'après 4 ans. Donc automatiquement, ça va à l'encontre de ce que prévoit la loi, c'est-à-dire un mandat de 2 ans. Donc il y a un certain nombre d'éléments à vérifier. Pourquoi? C'est pour le notaire réclamer l'écrit, c'est pour vérifier la conformité des dispositions prise en assemblée avec les termes de la loi. Et le notaire, à ce moment-là, si tout est conforme avec ce que prévoit la loi, notamment en termes de délai, notamment en termes de qualité d'agir, notamment en termes de validité de l'assemblée et du PV, effectivement, il y a le mécanisme qui se met en place, c'est-à-dire le notaire est en droit d'exiger le quitus délivré par le syndic. Il faut que le quitus soit délivré par une personne habilitée à le faire et non pas une personne qui est sortie de son mandat, auquel cas le notaire pourrait s'exposer à une responsabilité plus lourde si l'un des copropriétaires viendrait à contester cette prise de décision. Donc l'écrit est une exigence prévu par la loi, d'ailleurs dans toutes les procédures. Vous avez vu comment un petit peu les juges traitent la chose lors des procédures et face aux dossiers qui leur sont confiés. La forme d'abord et puis le fond ensuite. Voilà. Alors, dans le prolongement, ce que vous avez dit, d'ailleurs le tribunal de première instance de Rabat a refusé d'accepter l'hypothèque forcée au profit d'un syndic qui n'a pas fait les formalités requises auprès des autorités locales. Oui. Donc, alors, si... notre objectif d'abord, c'est de pouvoir se mettre d'accord sur quelques points qui feront l'objet de notre pratique notariale au niveau de la région. Alors, si j'ai bien compris, par rapport à un syndic, face à un notaire, il doit se présenter avec un certain nombre de documents qui répondent aussi bien au fond qu'au fort. Voilà, c'est-à-dire la forme, avant d'attaquer le fond, c'est-à-dire l'exigibilité de la créance éventuellement, donc s'il s'agit d'une question de délivrance du quitus, est-ce que la créance est exigible ou pas? Parce qu'il se peut que le vendeur, la personne qui serait en face du notaire pour vendre,
il se peut que cette personne puisse se prévaloir du fait que, quand bien même la créance serait due, elle serait frappée de prescription. Donc, raison pour laquelle il est très très important de réclamer des écrits. Pourquoi ? Pour les mettre en conformité avec ce que prévoit la loi. Très important, pourquoi ? Parce que la prescription telle que prévue par la loi, elle est de 2 ans à compter de quelle date ? À compter de la du dernier vote du budget au sein d'une assemblée. C'est-à-dire, s'il y a des créances en suspens, il faut les faire voter, il faut en prendre acte à chaque assemblée de manière à remettre les compteurs à zéro pour que la prescription ne puisse pas être soulevée comme motif lors d'une vente par devant notaire. Alors, deuxième question sur laquelle on n'a pas encore une réponse, c'est par rapport à est-ce qu'on doit se contenter dans le cas où il n'y a pas élection de syndic ou bien au cas où les pouvoirs, après 2 ans, est-ce qu'on peut se contenter comme solution pratique d'une déclaration au corps de l'acte pour responsabiliser les parties? Est-ce que c'est une solution efficace ou bien qu'on peut mettre en cause? C'est une solution qui répond à l'esprit de la loi, parce qu'il y a la loi, il y a surtout l'esprit de la loi. Dire en l'absence d'un syndic, on serait en présence d'une opération bloquée et une situation de blocage. Donc, pour le notaire, il n'appartient pas au notaire d'aller, redresser les choses et faire en sorte que le syndic soit créé afin de débloquer une vente. Donc, en l'absence d'un document, en l'absence d'un PV d'assemblée, en l'absence d'un syndic, il faut se contenter de la déclaration des parties uniquement. D'accord. Est-ce qu'il y a une question sur ce volet ? Pas de question. Avec la déclaration dans le contrat, bien entendu, que la personne assume sous sa responsabilité qu'il n'y a pas de syndic régulièrement constitué. C'est vrai, on a la déclaration sur l'honneur du vendeur, mais ça va servir à quoi après le déblocage? Vous savez, je suis conscient de la nature du problème ou de l'inquiétude. Mais est-ce que le notaire est habilité à mener des investigations? Quand je dis investigation, ça se limite uniquement à ce qui concerne le bien, c'est-à-dire le déplacement éventuellement de la conservation foncière, le déplacement éventuellement auprès des autorités pour un besoin quelconque lors de la procédure d'accomplissement de vente, mais aller chercher si oui ou non, mener des investigations au sein de la copropriété, faire le tour d'une résidence à l'effet d'avoir la confirmation ou non, ça n'est pas la mission du syndic et on ne retrouve aucunement cette disposition dans la loi 3209. Donc, raison pour laquelle il faut s'en tenir à la déclaration des parties et l'une des, bien sûr, des lacunes qu'il va falloir combler à l'effet de protéger le notaire plus, c'est soit de lui accorder un